Pour ma vengeance, je vais vous laisser imaginer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça coupe bien. Qu'est-ce que tu fais? Salut Internet, c'est Kamoff. Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Boy Pro. C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment fureur sur les réseaux. Il m'a fait gagner pas mal d'argent à moi et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo. Si vous ne croyez pas en ses talents et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, c'est simple, rapide et efficace. Donc salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis en compagnie de toute l'équipe, tout leur Insta s'affiche un peu partout, vous pouvez les rajouter, il y a la chaîne de Fafa, il y a les Insta de Soso et Snap, etc. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire une vidéo qui est un peu limite. J'ai vu que les premières vidéos qu'on a fait sur la police où je rentrais dans le coffre, ça vous avait pas mal plu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver une voiture de police et de voler une roue ou deux jusqu'à ce qu'ils arrivent et que les gens s'en rendent compte ou que la police débarque. Bien entendu, ne reproduisez pas ça chez vous. Je pense que c'est une vidéo qui vous plaira et on va jouer ça sur le ton de l'humour. Voilà, c'est vraiment pas méchant. On fait pas ça pour voler, on fait vraiment ça pour rigoler et s'amuser. Donc là, on va partir à la recherche d'une voiture et quand on l'aura trouvée, je prendrai un cric, je prendrai une dévisseuse et avec ça, on ira prendre une roue ou deux, trois ou quatre. Donc là, on va partir à la recherche d'une voiture de police et on se dit à tout à l'heure, si on en trouve une, on recommencera à filmer. À tout à l'heure. Ciao. Bon, faut faire vite, faut faire vex. Là, j'essaie de voir quel boulon va avec. Ok, c'est lui. Un boulon. Je mets le cric. Elle se relève. Bon, je vous fais un petit tuto. Comment voler des roues de voiture. On va vite lever la deuxième. Chut, les gens, faut pas qu'ils sachent que je suis en train de voler des roues de voiture, ça. Tu es au courant que c'est la police là quand même, il y a marqué quoi là? Ah les gars, attendez, s'il vous plaît, j'ai cru. Il y a marqué quoi là? Vas-y, c'est bon. Tu arrêtes ou tu veux quoi? Tu veux qu'on te mette les menottes ou tu veux qu'on t'embarque? C'est ça que tu veux? En fait, je vous explique. Monsieur l'agent, j'ai crevé avec ma voiture un peu plus loin. J'ai rendez-vous à un cours de danse classique. C'est pas le moment, je suis pressé. J'ai juste besoin. Allô, pourquoi tu prends les roues là? T'en as besoin, c'est... Oh, tu vois pas. Je viens de crever. Mais j'ai crevé. Tu vois pas ce qui a marqué? J'avais pas vu. Ah, t'as pas vu? J'ai pas vu. T'es vachement pas un con. Non, j'ai pas vu qu'il y avait écrit police. En fait, je vous explique. Moi, j'ai des concours, j'ai un concours de danse classique. D'accord? Pourquoi vous rigolez? En vrai, il nous prend pas un con. Non, c'est une blague. C'est une blague. Moi, je fais la danse classique. J'ai un concours très important. Dans 20 minutes, faut que je sois là-bas. J'ai crevé sur la route. J'ai vu que vous avez les mêmes roues que moi. Je me suis dit pourquoi pas. Mais alors, tu peux pas prendre le bus, ça te plaît. Écoutez, j'ai pas d'argent pour prendre le taxi. D'accord. Vous peut-être que vous l'avez. Au pire, si vous avez pas, je vous rends la roue, mais vous m'avancez le Uber. Ouais, on va t'avancer. Directement vers l'évêché, si tu veux, ça te fait plaisir. On va t'emmener avec nous au commissariat. Je vous explique. Moi, là, je me suis dit, j'ai crevé. Je dois aller à un rendez-vous. J'ai pas le temps de prendre le Uber, je suis un mec très pris, je suis beaucoup demandé. Ah. J'ai pas le temps pour être. Ah, j'ai très pris. Je crois qu'on a bien le marqué. Non, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai pas volé. Déjà, viens, on recommence à. Voilà, continue. À refaire ce que tu fais. Mais ça, c'est inverse, tu le remontes. Pourquoi tu voles celle de la police et pas celle de notre personne? Si je vole les roues d'une autre personne, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous réfléchissez pas. Vous êtes pas assez intelligent. Moi, j'ai réfléchi. Ah. J'ai compris. Elle va venir voir la police.
elle va porter plainte parce qu'on lui a volé ses roues et après la police va venir me voir à moi. Tandis que si je vole directement la voiture ici, qui c'est qui va venir vous voir? Personne. Vous n'êtes pas assez intelligent, les gars. D'accord. Voilà. D'accord, on n'est pas assez intelligent. Tiens, regarde. Allez. Ce qu'on va faire, tu vas remonter la roue. Non, mais. Non. J'en ai besoin. J'ai cours dans ce classique. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprenais? J'apprenais le balai comme ça. Comme ça? Ouais, le balai. Tu l'apprenais. Regarde, on se va t'apprendre un nouveau cours. Tiens. Tu vas resserrer un peu les boulons. Allez, vas-y. Resserre. Écoute, déjà, premièrement, tu as de la chance qu'on est en fin de service, donc on n'est pas pressé, d'accord? Mais tu vas nous remonter les roues et on va t'amener là où tu veux aller, d'accord? Alors maintenant, tu vas. Vous m'emmenez au cours de danse? Oui, on va t'amener. On va t'amener au cours de danse. Oui, je te jure, tu vas t'amuser. Mon cousin Malik, il fait que ça. Il prend des roues, il les revend. Mais tu vas nous dire où c'est l'adresse aussi. D'accord? Tu vas nous dire non. Où c'est. Vous n'avez pas une bombe anti-crevaison? Je la mets, je repars. On n'a rien du tout. Rien. Non. Vous savez à quoi en fait? À embarquer les gens comme toi qui sont des voleurs. Je vole pas, j'allais vous la ramener la roue. Ah oui, monsieur. Je me sers de la roue, je vous explique. J'en aurais volé une autre. Et je vous aurais ramené la roue. Je sais que vous pouvez pas bouger comme ça, vous aurez pas pu partir. Ah, et j'ai réfléchi à ça. Et toi? Je me suis dit quoi? Je vais voler la roue, la voiture elle pourra pas partir. Donc je vais ramener une autre roue, et je la remettrai et après partir. Et ton cours de danse, il dure combien de temps? Une heure. Ah, tu crois qu'on allait attendre une heure en fait? J'ai jamais rencontré des flics aussi gentils que vous. Ah, alors on était des idiots là, des gentils? C'est vrai, vous êtes pas très intelligent, pas très intelligent. Mais vous êtes super gentil, serviable. Monsieur, je vous explique. Quand on va voler, on prend pas de papier sur ça, sur soi. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête de monter là, arrête. Il faut la monter. C'est bon, ça, c'est monté. Ça va, allez, on va pas aller aussi ciel. Hein. Ouais, sérieux, tu veux qu'on aille où là? On va se retrouver où? À Paris? Allez, bouge. Vous avez les clés du véhicule? Au coiffeur. Pour voir s'il y a le frein à main qui est bien mis. Tu nous prends vraiment pour des cons. Non. Vas-y, remonte. Franchement, vous êtes au top, les gars, merci. C'est quoi votre petit prénom? C'est quoi vos prénoms? Bob. Et vous? Bob. Le bricoleur. Bah, c'est Bob le bricoleur? D'accord, allez. Ouais. Parlez pas de ma mère. Faut pas parler des mamans, c'est pas bien. C'est pas parler de ma maman, c'est pas bien, d'accord? Non. Voilà. C'est bon. Tu fais quoi? Mais la vérité, elles se sont enlevées trop facilement. Faut bien les resserrer. C'était vraiment facile à enlever. C'est un conseil pour vous. Non mais avant de partir là, on va t'emmener nous. Oui, c'est bon. Si il est cassé, tu vas nous le remettre. Ah, il a manqué un par contre, hein. Ah, moi j'ai pas. Il a manqué un. Ça, je le garde, hein. Non, oui, bien sûr. La police, celui-là, il est collector, les gars. Allez, je le remets. Remets-le. Il y a ma boîte. Ouais, on va la prendre, je le remets. Vous êtes pas sympa, les gars. Par contre, le deuxième, c'est pas moi. Tiens, je conduis. Pourquoi? Vous m'emmenez au cours, c'est vrai? Oui, on va t'emmener, allez-y. Oui, c'est bon. Attendez, doucement. C'est quoi? On va t'emmener à l'hôpital psychiatrique. Parce que là. Faut y aller maintenant. Ah, par contre, faut partir maintenant si on veut y arriver à l'heure. Hein. Oui, on y va, allez. Je vais. Garde à vue. Garde à vue, encore une fois. Encore une fois, il s'est pas embarqué. Pas forcément garde à vue, mais il va nous appeler, tu vois, c'est la centaine, non? Il va nous appeler de quoi? En tous les cas, il est à l'arrière et derrière, il n'y a personne. Oui, des bonnes. Déjà, mon frère, que tu laves là. Imagine son intervention, il ne peut pas partir. Non, les gars, venez, on prend la voiture, on ne sait jamais, non? On monte? Bon, bref, les amis, on vous rappelle dès qu'on a des nouvelles. Ciao! Bon, voilà, les gars, là je suis dans la voiture. Avec la police française. Quoi? De qui tu parles? Je fais un live sur Facebook. Devant ton téléphone. Et pourquoi? Devant ton téléphone, il est là, tu te crois des abus? Regardez, je suis avec la police. Ne me filme pas. Regardez. Je ne filme pas, hein? Arrête la voiture. Pourquoi? J'ai le droit de filmer quand même. Non, donne-moi ton téléphone. De suite. Non, je donne pas mon téléphone. Non, vous avez pas le droit de prendre mon téléphone. On va nous filmer aussi. Donne-moi ton téléphone. Maintenant, tu es. Ça va. T'es avec nous? Non, ça va, j'arrête. Ah, c'est bon, je garde le téléphone et puis y a pas de problème, monsieur. Là, tu veux te péter? Pourquoi? Tu le vois? J'avais des gaz. Ah. J'avais des gaz. Putain. Voilà, regardez, les amis, je suis avec la police. Mais t'as fait le menu en fait. Voilà, les amis.
Donne-moi ton téléphone. Bah, c'est bon. Non, je donne pas mon téléphone. Vous avez pas le droit de prendre mon téléphone. C'est bon, c'est quoi? Arrête-toi là, en bas. On le gère. Ça, la chapelle, c'est bon. Ça, ils vont se faire checker, faire de service. Bah, ouais, on va éviter les papiers. C'est bon. Vous m'amenez pas au cours de danse? Mais on va y aller au cours de danse, mais tout débrouille là. Voilà, tout débrouille. Et si pas qu'on te revoit en train de rouler une roue, la prochaine fois on fait pas d'exception, on te fera pas de cadeau. C'est bon, on va pas se taper les papiers, la paperasse, tout ça, mais la prochaine fois si on te revoit, c'est direct garde à vue, d'accord? Tu as compris ou pas? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Je le prends vraiment pour qui? Pour un taxi? C'est beau aujourd'hui. Aïe. Pas ici, c'est pas ici. Les cours de danse, c'est pas ici, monsieur. Ouais, non, mais on va te déposer là. On va te déposer pour rien. Tiens. Bon. Merci, allez, monsieur. Arrête de me filmer. Hein, s'il vous plaît. Merci, monsieur. J'ai le droit de filmer. Non, je ne filme pas. Bon, ça va. Là, tu t'en parles. Il appelle. Allô? Allô? Ouais. Ouais, il m'a lâché sur le bord de la route. Mais non. Oh, tu as du cul, toi, la vue de ma mère, tu vois du cul. Oula, je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher. J'allais récupérer au passage. Vas-y, on vient te chercher. Bon, les gars, là, on va chercher Kamoff. Ma foi, ils l'ont lâché. Il a du cul. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon. C'était mince gag, ils ont dû se dire pêcheur. Ça arrive, les problèmes. Ah, les problèmes, quand tu les cherches, ils arrivent toujours, tu le sais. Ils arrivent des cons, il faut. Voilà, ouais. Et encore, là, du cul, finit pas en garde à vue. Ah ben il est là les gars. Ouais. Impeccable, il marche comme un sgeg tout seul. Allez, au revoir les outils. Et voir le sgeg. Et merci, libérable. C'est bon, on sourit plus comme ça. Tu les as rendus fous. Mais gros, mais comment ça se fait qu'ils t'ont lâché comme ça? En fait, c'est eux qui m'ont pris pour un fou, gros. Je les ai tellement rendus fous, frérot, que genre à la fin, ils m'ont dit c'est bon, vas-y, dépose-lui, il m'a gonflé. Je l'ai filmé et tout dans la voiture, j'ai filmé leur tête et tout. Quoi, sur Snap? Non, j'ai filmé sur le téléphone. Mais gros, ils étaient gentils. Ouais, ils étaient tarpé gentils, gros. J'ai fait croire que je faisais un live Facebook. Et du coup, ils ont commencé à serrer. Par contre, le seul point négatif, c'est que je crois qu'ils ont oublié de me rendre les outils. C'est pas, je crois. C'est que... voilà. Pourquoi tu leur as pas demandé? Parce que j'ai zappé. C'est même pas les chaînes d'outils en plus, tu les as prêtés. Je sais. Ton collègue l'a dit 600 euros, la truc. C'était une marque en plus. Ils ont gardé, gros, ils ont mis dans le coffre, ils ont tout gardé. Je suis sorti, ils m'ont dit. En fait, ils avaient tellement marre de moi. Mais peut-être qu'ils en avaient besoin, peut-être. Ils m'ont lâché. Ah ouais, non, ils n'ont même pas pensé, je suis sûr. Tu les as rendus fous. J'ai tellement rendu fou, frérot, qu'à un moment donné, genre, ils m'ont dit, vas-y, lâche-le. Et ils m'ont oublié de me rendre des outils. Clément, si tu vois cette vidéo, sache que tes outils, tu les reverras plus. Bah voilà, enfin, ça s'est bien passé, mais bon, j'aurais pu aller loin. Bon, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion, les amis. Et à plus. Ciao. Ah là 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 là, les amis, c'était une histoire de fou. Franchement, c'est une histoire de malade. Les flics, ils m'ont relâché tellement que je les ai rendus fous. Heureusement qu'ils étaient sympas, qu'ils n'étaient pas en service, qu'ils allaient rentrer justement pour rentrer chez eux, parce que sinon, je pense que je serais encore une nouvelle fois allé au commissariat et ça se serait mal fini. Il n'y a pas trop de morale dans cette histoire, c'était vraiment pour vous divertir, pour vous faire rigoler. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez envie de porter notre marque de vêtements, n'hésitez pas à le faire. Rendez-vous sur www.futuratech.com. Il y en a pour tout et pour tout le monde. Les envois sont gratuits, les paiements sont sécurisés. Il faut savoir que la sécurité aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Oui, madame. En ce qui nous concerne, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et ne reproduisez pas ce qu'on vient de faire chez vous ou dans la rue. Parce que chez vous, ça va être compliqué. Mais dans la rue, ne le reproduisez pas en tout cas. C'était Kamoff. À la semaine prochaine, gros bisous à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao !